maintenant. Est-ce que vous êtes en train de partager dans le groupe? J'ai dit, démontrons que nous sommes dans un groupe, mais un groupe vraiment tangible. Un groupe de chacun. Mettez le cœur. Je veux voir le partage. Alice. Blaine, je te claque un bisou. Nini, je te claque un bisou. Commentez. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp de Lolo Beauté, c'est vous, j'ai envie de claquer le bisou ce matin. Ce soir plutôt. Mettez le cœur. Je vois Jean-Louis. Est-ce que tu es dans le groupe privé de Lolo Beauté? Partagez. Attendez d'abord. Les Lolo Boss là, ils sont violents. Je veux voir d'abord leur partage. Oui, je suis fatigué parce que je viens d'arriver au Maroc. Voilà. Je suis au Maroc, comme je vous l'avais promis. Je suis très bien arrivé au Maroc. Oui. Je suis très bien accueilli au Maroc. Je veux voir les partages. Tranquille, allez là, c'est le Maroc qui sent bon. C'est le Maroc qui est doux, allez là. Oui, Loïla, je te claque un bisou. Nous sommes Est-ce arrivés. Que vous êtes en train de partager mettez le direct? Mettez le cœur, partagez le direct. Est-ce que vous êtes en train... Oh, je vois Michel Kouakou. Elle est toujours la première. Je vois elle, Michel Kouakou, je vois Aya Kouakou. Je veux voir les partages de Lolo Boss. Je veux voir votre force de frappe. Taguez vos amis, on a une surprise. Les Lolo Boss, vous qui êtes dans le groupe privé de Lolo Beauté, taguez vos amis. Tranquille. Quand vous partagez le direct de Lolo Beauté, faites des captures d'écran pour envoyer à Lolo Beauté tranquille, dans la paix du Seigneur. Je veux voir les partages. Parce que Maroc, on va crier Lolo Jack. On a un groupe de soutien ici qui sont dans le groupe. Yedi. On est venu les trouver au Maroc ici, ça partage. J'ai dit beaucoup de choses. Ça partage grave. Yedi, je veux voir. Partagez le direct. Je veux voir. Mettez le cœur. Je vois Junior qui dit, ah, je ne vais plus partager. Hey, mon frère, moi, on ne me menace pas, hey, mon frère. Si tu ne vas pas partager, tu ne partages pas, mon frère. Les commentaires passent vite, donc attends. Quand on est Lolo Boss, on a la patience. On ne se fâche pas ici. Voilà, je veux voir les partages. C'est de ça qu'il s'agit. Le perroquet de Maroc a... Dans les partages, hein? Le perroquet du Maroc est violent dans les partages. Partagez le direct. Est-ce qu'il y a le partage? Maman, est-ce qu'il y a le partage? C'est de ça qu'il s'agit. C'est la paix, c'est la joie, c'est la tranquillité. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, on a effectué, maman. Hein, maman, pour venir aussi au Maroc, c'est pas facile. Je vais vous expliquer d'abord ma mésaventure. Ah oui. Avant de dire que je suis bien arrivé, il faut que j'explique ma mésaventure. Explique tout, dis tout. Il faut que j'explique ma mésaventure. Mes amis, je dis assez à vous. Lolo Bokné a beaucoup de choses à vous dire. Mais je veux voir les partages parce que je ne vois pas les partages. Partagez le direct à 2000 partages. Je ne vois pas les partages. À 2000 partages, la dedans commence. Je ne vois pas les partages. Je veux voir les 2000 partages. Je veux voir les 2000 partages. Est-ce qu'il y a des personnes vivant au Maroc qui sont en train de me regarder? Est-ce qu'il y a des personnes vivant au Maroc qui sont en train de me regarder? Parce que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, le visage de Lolo Beauté que vous voyez là, je n'ai pas encore dormi. Le visage de Lolo Beauté que vous voyez là, je n'ai pas encore dormi. Donc là, je suis violente. Je dis, diminuez-moi le téléphone. Diminuez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, Lolo Beauté. Je dis, mettez les cœurs, sécurisez le direct. Mettez beaucoup de cœur et puis sécurisez le direct. Oh, parce que vous savez que ma page Lolo Beauté là, est déjà restreinte. Donc, il faut que le direct soit beaucoup partagé. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit partager le direct et puis mettez les cœurs. Parce que franchement, arriver au Maroc, c'est pas facile. J'ai dit, c'est pas facile. J'ai dit, même vos billets d'avion, là, même en éco, même c'est cher. Pourquoi? Pourquoi même en éco, même c'est cher comme cela? Respectez ceux qui viennent au Maroc, même en éco. Exactement. Parce que le billet n'est pas donné. Je ne comprends pas pourquoi même le billet d'avion, même en Afrique, même est plus cher même que nous-mêmes qui allons même en Europe.
Tranquille, il a dit partagez-moi le direct. Je ne vois pas vos commentaires, elle est le boss. Je ne vois pas vos commentaires. Je ne vois pas vos commentaires d'abord. Oh, dans la logo sous, je te claque un bisou, celle qui m'a offert ma tasse de thé et celle du perroquet, même du général personnalisé. Je veux voir les partages. Je ne vois pas les partages. Vous avez quoi ce soir là? Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Vous, je suis à Abidjan. Vous êtes au Maroc ici en train de crier. Lolo Beauté, tu arrives quand au Maroc? Lolo Beauté, tu arrives quand au Maroc? Les Marocains, Lolo Beauté, tu arrives quand au Maroc? Maintenant, je suis là maintenant. Elle est là maintenant. Comment vous pensez que je ne peux pas faire les pays ici? Vous pensez que je ne peux pas faire les pays ici? Il a dit, je suis arrivé au Maroc. Je vais achever le thé de toutes celles qui sont en train de vivre ici, qui demandent où est Lolo Beauté. Je suis là. J'ai dit, partagez-moi le direct. Partagez-le. Est-ce qu'il y a les 2000 partages? Nous sommes exactement à 1972 partages. Donnez-moi les 2000 partages. Partagez le direct. J'ai dit, partagez le direct. Je ne vois pas les commentaires, les Lolo Boss. On ne voit pas les commentaires. J'ai dit, mes amis, c'est pas facile. J'ai dit, le vol, si c'est pas facile, épingle-moi le numéro des produits. Donne-lui le numéro du Maroc, elle va épingler. 00. Voilà, donne-lui le numéro pour avoir les produits. 00212. 00212. 6. Un instant. 00212. Marie-Charlotte, on va parler un peu des biais, des biais là. On va parler un peu. 6. 74. 72. Vous qui vivez au Maroc là, vous êtes où? 73. Il faut répondre à haute voix. 00212. Oui. 6. 74, 72, 56, 73. Exactement. Yeah. C'est le numéro pour avoir les produits au Maroc. Tranquille, il a dit partagez-moi le numéro. Il a dit partagez-moi le numéro. Et partagez-moi le direct. Sécurisez. Voilà. Sécurisez le direct. Les Lolo Boss, sécurisez le direct. Les Lolo Boss, sécurisez le direct. Les Lolo Boss, sécurisez. Il a dit, on a galéré. Il y a Dieu, mon berger, qui a dit la partager dans 65 groupes. Oh, ça, je te claque un bisou. Oh, je te claque, Ida, je te claque un bisou. Écrivez le nombre de partages que vous avez c'est fait. C'est ça qu'il s'agit. On va vous faire un big up. Des personnes qui me demandent tu voyages avec ton perroquet. Hey. 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 Assistant, il a très très fort. Hey. Perroquet dans deux avions. Dili, André, bonjour. Vous doutez de ma parole, hein? Yes. J'ai dit, attends, on en vient d'abord sur le perroquet du Maroc. Attends. Mais vous doutez de ma force de frappe, hein? Partagez le direct. J'ai dit, parmi les blogueurs, si vous avez une fois vu quel blogueur qui voyage avec son perroquet, si ce n'est pas Lolo Beauté, vous pensez que je suis en train de m'amuser dans cette affaire de perroquet là? Vous pensez que je suis en train de m'amuser dans cette histoire de perroquet. J'ai dit, le perroquet maintenant s'appelle perroquet à deux avions. Elle s'appelle perroquet à deux avions. On est en train de travailler, hein. J'ai dit, on est en train de bosser dur. On est en train d'avancer dans la paix du Seigneur. Moi, Lolo Beauté, je suis une bosseuse. Et toutes les personnes qui se collent à moi doivent être des bosseuses et des femmes bénies.
sort. Tranquillement, tranquille. Les gammes de produits de l'Olopoté disponibles au Maroc au 00 21 26 74 72 56 73. Prenez rapidement le numéro du Maroc. Et les gars. Oh non, Lolo, tu connais ton travail, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Eh ben, dis donc. Les gammes de produits de la gloire. Tranquillement, tranquille. Quand les vues ne montent pas comme ça, c'est qu'il y a un problème de connexion. Ah, d'accord. Voilà. Mais on va faire avec. Partagez le directeur de Lolo Beauté. Je suis arrivé. On m'a offert un beau cadeau. Les Lolo Boss, vous savez que c'était l'anniversaire de notre Dja-Dja. Le 16 octobre. Depuis que je suis arrivé, on mange, on ne finit pas de manger. On mange et on finit pas de manger. On peut faire ça. Tranquille. Est-ce qu'il y a les partages? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un problème de connexion. Voilà, on a un grave problème de connexion ici. Je pense que votre wifi n'est pas trop fort. Hein? On va arrêter, voilà. On va arrêter. Arrêtez la chanson, arrêtez la musique, s'il vous plaît. Tranquille. Est-ce que vous vous portez bien? Non, ce n'est pas mon anniversaire est déjà passé. L'anniversaire était voilà. Le 16. Comme je viens d'arriver au Maroc, ils ont voulu me faire une petite surprise. Montre-le, comment donc, on appelle ça, le voilà, bouquet de fleurs. Oui, je l'ai déjà montré. Ah, okay. Un petit bouquet de fleurs. Et très puis, bien accueilli. Très bien accueilli, franchement, il n'y a rien de tel. On a deux voilà. Minutes voilà. Je veux voir les partages. Donc, comme je vous expliquais, vraiment... Pour venir au Maroc, c'est-à-dire c'est des nuits blanches. Il a dit, je voulais prendre mon billet d'avion. Le perroquet dit, tu ne bouges pas sans moi. Que tu as dit, a dit sur la toile que je suis perroquet, n'a deux avions. Donc si tu bouges, je bouge. J'ai appelé des connaissances pour le Maroc. Il a dit, mais le Maroc là-haut. Il y a business aussi là-bas aussi. On dit, ah, Lolo, hey. Affaire de Maroc là, c'est même Afrique là, je vais te dire la vérité. Hein. C'est pas la peine d'aller gaspiller ton argent pour premium. Parce que c'est à peu près même les mêmes assis là. C'est pas Air France. Je ne garde pas le nom d'une compagnie. Hein. Mais on dit, Lolo Beauté, c'est la même chose là. Ton perroquet en écho. Faut t'asseoir à côté du perroquet, c'est dans même Afrique là. Je dis, ah, mais c'est vrai, hein. Plus que j'ai créé un groupe, les Lolo Boss, pour pouvoir donner des cadeaux, pour pouvoir offrir beaucoup de choses en décembre à des orphelins, pour quand même aller gaspiller de l'argent. Il y a des mamans, comment je suis monté même dans comme on a. Hé, hey, maman, vous souffrez, oh. Maman, les bengis ici, qui font les escales ici. Hey, les maman. Escales de la mort. Maman, hé. Hé, maman. Lolo Beauté vient prendre Air France Business. Elle et maman a deux avions. Il y a des personnes aussi qui veulent faire comme Lolo Beauté, n'ont pas les moyens, maman. Ils ont se retrouver, maman, dans les autocars. J'ai dit, attends, allez voir l'autocar, si. Maman, les autocars. Maman, si. Mais chérie, la vie, là, elle est simple. Très simple. Où ta main arrive, là, il faut accrocher ton habit là-bas. C'est clair. C'est pas parce que Lolo Beauté prend avion Paris, Abidjan, comme Abidjan, à Bobo, comme Abobo, à Djamé. Que tu vas te ruiner à cause de Lolo Beauté. Tranquille. J'ai dit, on va changer l'histoire des blogs. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. On va changer. J'espère que la connexion passe un peu. Ça passe. Parce que ça franchement, passe. On est en train de faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il y a les partages? Non, mais je ne vois pas les partages. Nous, tu ne vois pas? C'est la connexion. Est-ce qu'il y a les partages? On a 3 000, 20 partages. Je veux les 5 000 partages. On veut les 5 000 partages. Les super fans de Lolo Beauté. Lolo Beauté est à Paris. Il dit à Paris. Au Maroc. Paris, oh. J'aime Paris, hein. Tu adores Paris même. J'aime Paris, oh. Mais Paris t'a tout donné. Paris t'a porté la chance. Non, mais je suis reconnaissante à Paris.
Je ne suis pas le genre d'Africaine qui arrive à Paris et puis je vais chercher à gâter le nom des Blancs. Maman, les ponts grattés. Non. Paris m'a donné beaucoup. Elle a tout donné. Paris m'a donné papier. Paris m'a donné entreprise. Paris a fait que j'ai pu envoyer mes enfants en Europe. Franchement, les enfants sont bien traités à Paris. Vous pouvez imaginer. Donc là où je suis assise, je suis heureuse. Paris même a envoyé mon perroquet. Paris même a envoyé mon perroquet. Paris même a donné Marie au perroquet. Adama. Paris même a donné papier. On peut faire ça. On peut faire ça. Souvent, quand Paris te quand la France te bénit, voilà. Faut reconnaître la bénédiction de la France. C'est ça qui s'agit. Mais aujourd'hui, c'est la première fois, oui, que Lolo Beauté arrive au Maroc. Vous qui êtes au Maroc, est-ce que vous êtes béni? Actuellement, je suis venu à Agadir, l'un des quartiers des villes les plus huppées de Maroc. Parce que voilà, je suis venu un peu me détendre un peu au bord de l'eau. Oh merci là. Mais tu es sûr que ce soir là, je pourrais tenir sur les pieds? Tu es sûr que ce soir, je pourrais tenir sur les pieds? Mais on veut me saouler ici là. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas encore fini. Voilà les choses. Aïe. Allez-y doucement avec moi, hein. Ouais. Allez-y doucement. Vous savez que. Gaga. Oui, je suis pas une alcoolique, oui. Hein. Je suis très lucide. Tu as la gaga. C'est ça qu'il s'agit. Non, mais franchement, il faut que je boive un peu parce que mon calvaire dans l'avion. Ah oui, heureusement que c'était 4 heures de vol. Mettez les commentaires, je vais épingler. Voilà, sinon, franchement. Qui a partagé le direct. J'étais vraiment dit, mais quand même, j'ai aimé quand même le vol. Mm-hmm. Parce que la compagnie Royal Air Maroc, ils ont des meilleurs pilotes. Franchement, ils sont franchement, Royal Air Maroc, je ne m'attendais pas à ça. J'étais déjà au lit pour aller prendre des business. Ma copine, une copine qui dit, c'est pas la peine. Hein. Ma chérie, Royal, là, c'est le même siège, là, ma chérie. C'est à peu près les mêmes choses, là. Faut pas te fatiguer, parce que tu pourras pas dormir dedans. Il dit, ah bon, il dit, non, c'est pas la peine. Faut aller t'asseoir à côté de ton perroquet. Faut pas gaspiller l'argent. On sait que tu as envie de faire le malin, mais faut pas gaspiller l'argent. Fatim Konaté, on sera à Casablanca. 4 heures de vol. Non, mais j'aimais le pilote. Et puis, c'était une femme. Wow. Non, c'était une femme, elle a très bien piloté. Pour savoir si le pilote, vous savez ce que j'ai fait des études en droit pilotique. Il y a eu l'atterrissage. Tu vois, il y a des atterrissages. Vous savez, je suis mieux passé pour vous parler d'avion. Parce que je dors d'avion. J'ai construit une maison même d'avion. Effectivement. Il y a eu, quand le pilote même a atterri comme ça, on n'a même pas entendu gadangan. Mettez les cœurs. Vous voyez, quand tu es d'avion et puis le pilote n'est pas trop fort là. Quand tu atterris là, tu attends gadangan. Toi-même, tu viens devant comme ça et puis tu recules derrière. Mes pilotes là de Royal Air Maroc là, il dit quand il a atterri, André, je platinais. Tonton Fiongogo, mon arrivée à Casa. Tranquille. De Casa, j'ai pris encore un autre vol. Parce que je dois venir me reposer quand même à Agadir, au bord de l'eau. Laissez-moi prendre mes repères. Vous savez que quand Lolo Beauté arrive dans un pays, je vais visiter tout le pays. Là, je suis à Agadir. Où est mon chargé de communication de Maroc? Il vient de partir. Tu sais que on doit aller à Casa. Oui. Après Casa, on va aller à Rabat. Et ouais. Puis on dit, il y a une ville là où ceux qui n'ont pas... Attends, il y a une ville où ceux qui n'ont pas les papiers français ne peuvent pas arriver, titre de séjour d'ici aussi là. Tanger. On ira à Tanger. Voilà, je vais visiter un peu Maroc. Parce que vous savez, Lolo Beauté, je fais toujours d'une pierre deux coups. Partagez-moi le direct. Je ne suis pas le genre de femme qui va venir où j'ai des millions. Je suis en train de vivre. Eh, mes amis, je travaille. Non, travaille d'être. Je suis venu faire des ventes privées. Continuez de partager des produits cosmétiques de Lolo Beauté. Les seuls produits cosmétiques reconnus en Europe. Maman n'a juste de produits cosmétiques. Celle-là même qui achève l'été inachevé. Yes. Oui, je suis à Casa. Je suis au Maroc. Je suis venu achever le teint de tous les Africains. Vivant ici au Maroc. C'est magnifique, Marie Charlotte. Les produits sont là. On vous attend. Les produits
certifiés sont là. Actuellement, je suis à Gadi. Donc, pour toutes les personnes actuellement qui veulent recevoir leurs produits rapidement avant que ça ne finisse, parce qu'il y a gris-gris. Je voulais faire même le comment on appelle ça, même le direct demain. Mais il y a d'autres qui ont commencé à m'appeler. Lolo Beauté, il paraît que tu es déjà arrivé au Maroc. Depuis la repos, on t'a déjà vu. Donc, on c'est un direct pour oui. Que nous sommes au Maroc. C'est un jeu direct pour vous dire que je suis au Maroc. Et bien arrivé. Le numéro pour avoir les produits de Lolo Beauté ont été épinglés. Ont été épinglés dans ce direct-là. C'est déjà même sur le commentaire. Donc, commencez à appeler rapidement pour prendre vos produits. Mais rassurez-vous, actuellement, je ne suis que venu qu'avec la gamme Teint Clair et la gamme Teint Métis. Donc, pour toutes les personnes qui veulent la gamme Teint Clair, Teint Métis de Lolo Beauté, contactez rapidement le numéro épinglé pour avoir vos produits de beauté. Parce que, même si tu es en Afrique, tu dois avoir le teint propre. Tranquillement, tranquille. Je suis la Djadja. Toutes les personnes qui veulent rencontrer Lolo Beauté, je suis là. Il paraît que Lolo Beauté, à part Abidjan, à Paris, elle n'aime pas rencontrer ses fans. Mais je suis là. Avant de rencontrer mes fans, il faut que je... Oui. Merci. Très battante. Merci. Je dis toujours, quand tu as beaucoup d'enfants, tu ne penses plus à toi. Tu penses à l'avenir de tes enfants. Moi, je ne suis pas là pour venir blaguer mes soeurs. Pour vous dire que oui, j'ai de l'argent, c'est pas où l'argent en sort. Ma chérie, il faut te battre. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut prendre ton commerce à bras le corps. Il faut respecter ton commerce. C'est de ça qu'il s'agit. Et Lolo Beauté, elle respecte son commerce. Regardez un peu comment les produits du Maroc sont frais. Regardez comment les produits du Maroc même sont élégants. C'est les mêmes produits de la France que j'ai emmenés. Parce qu'il paraît que le Maroc et puis la France ont à peu près la même température. Oui, oui. Voilà, donc en tant que professionnel en matière de produits cosmétiques, je n'ai envoyé que les produits de l'Europe au Maroc. Que les produits de l'Europe au Maroc. Le reste est dans le sac, on ne peut pas tout mettre sur la table. Mettez les cœurs sécurisés. Voilà. Pour le teint noir n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, teint clair et teint métisse. Oui, c'est la teint Jaga. Clair et teint métisse qui sont actuellement disponibles au Maroc. Donc, appelez rapidement le numéro du Maroc pour commencer à prendre vos produits. Parce qu'il n'y en a pas assez. Avant même que je n'arrive, il y a des femmes qui ont déjà commandé 5 gammes. Parce qu'elles pensent que je vais venir une fois et puis je vais fuir. Donc, il y a déjà des femmes qui ont déjà commandé 5 gammes. 6 gammes. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Lolo Beauté aura sa base ici au Maroc. Il y a Labello, Taïb. Il dit, il veut voir Lolo Beauté. Je suis à Rabat. D'accord, on va faire tout. Pour le moment, je suis à Gadi. Donc, pour toutes les personnes qui veulent voir Lolo Beauté, voilà, vous écrivez ou vous appelez au numéro que j'ai donné. Ah oui, qui ne voit pas Lolo Beauté, qui veut? Qui voit Lolo Beauté, qui veut. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis au Maroc. Je veux voir les femmes là, vous parlez là. Les femmes de Casa, de Rabat, de quoi que ce soit. De Tanger. Vous avez la grande gueule là. Vous parlez là. Vous êtes où? Lolo Beauté n'était pas encore arrivé. Lolo, on veut 5 gammes. On veut 6 gammes. Les vrais ont déjà envoyé les dirhams. Hein. Les vrais ont déjà confirmé avec les dirhams. Hein. Elles n'ont même pas encore vu Lolo Beauté même au Maroc. Elles ont dû envoyer leur argent. Hey, mes chéris, je suis la seule vendeuse de produits cosmétiques qui n'a jamais fui avec l'argent d'une cliente. Parce que ce que je dis, confirme. C'est ce que je fais. Je pouvais venir au Maroc, mon seul. Parce que le billet même, là, on s'en dans plus de 1 million. Oui, on était en écho. Oui, mais plus de 1 million. Je pouvais...
envie d'avoir un thé élégant sans tache, ma chérie, n'achète jamais tes produits en détail pour dire non, j'ai payé un savon ici, non, j'allais prendre un lait ici, non. Avec Lolo Beauté, c'est la gamme ou rien. Tu veux l'élégance, tu veux la clarté, tu veux le match vu. Alors Lolo Beauté, c'est les gammes de produits qu'elle vend. Actuellement, je suis là pour 10 jours. C'est la gamme teint clair et la gamme teint métisse que Lolo Beauté a rapporté avec elle. Il y a des personnes qui disent que les produits cosmétiques ne rentrent pas au baroque. Il y a des produits. Elle dit, maman, mes produits sont certifiés. Hey. Je dis, vous avez peur de quoi même? Depuis la France, il y a des personnes qui commandent mes produits, ça rentre ici au Maroc propre. Il y a des personnes qui venaient mes produits, mes marchandises. Quand Lolo Beauté, ça là, arrive au Maroc, ils vont t'arrêter. Il y a dit, vous ne savez pas quel papier que j'ai. En tout cas, à Gadi ici. Je vais voir les commentaires. La réponse de la Gadi ici, c'est la réponse la plus suivie, vrai ou faux. Ah, je dis, confirme, maman. Allons-y pas à pas. Je confirme. Je dis, vous qui vivez au Maroc ici, la confirmer le code. À l'aéroport la plus surveillée, la plus stricte, c'est l'aéroport de Agadir. Oui. Je dis, quand je suis venu comme ça, les douaniers, mais madame, vous avez assez de marchandises. Mais les madames, j'ai fait sortir le petit papier vert. Je dis, le petit papier vert du laisser-passer de la confirmation du Johnson. Très, très puissant. Il a dit, vous jouez Lolo Beauté. Hein? Il a dit, le petit papier vert. Le petit papier vert. Il a dit, monsieur, lisez ce qu'il y a sur le papier. Je vois maintenant la douane maintenant qui prend maintenant le papier. Il lit, mais regarde. Il dit, oui, madame, vous êtes la présidente. Je fais sortir maman les papiers maintenant de la société. Et puis je lui montre mon sac. Il dit, mais félicitations, bouche madame. Bouche B. Il dit, félicitations, on madame. On appelle ça bouche B. Il dit, c'est une fourgonnette qui est venue me chercher. Hey. C'est une fourgonnette qui est venue me chercher. Il dit, je suis sorti comme ça, moi, les marchandises. Au moins trois, ceux qui prennent les bagages qui m'ont aidé, là, comme on les appelle. Ils sont habillés en gris comme cela, là. Au moins trois, ils me suivaient comme ça. Il a dit, sors maintenant de l'aéroport. Kataka. On voit les clous des petits quand tu marches en ralenti. Là, kataka. Je marche en ralenti. Kataka. Je marche en ralenti. Kataka. Vous savez que le Maroc fonctionne comme la France. C'est ça qui s'agit. Je vais vous dire, vous les femmes qui n'arrivez pas à entreprendre, c'est parce que vous êtes des poisseuses. C'est ça. Parce que vous êtes des poisseuses. Il y a des filles, parce qu'elles voient Lolo Beauté vendre les produits cosmétiques. Elles se réveillent un matin, elles vont au marché. Vont trois ou quatre composants. Je suis devenue vendeuse de produits cosmétiques. Tu vas aller en prison. C'est de ça que ça. Dit, tu vas aller en prison. Ça fait plus de 5 ans que Lolo Beauté vend les produits cosmétiques en France. Les gens se sont levés pour prendre mes produits. Ils vont aller tester pour essayer de m'enlever la cuillère dans la bouche. Ils n'ont pas pu. Parce qu'arrivés au labo, ils ont dit, les produits que vous nous amenez sont l'un des meilleurs produits cosmétiques vendus ici en France. Et en plus d'être les meilleurs produits déclarés et certifiés, la société est déclarée. C'est pas simple. Donc arrêtez un peu. C'est pas simple. Lolo Beauté est plus dangereuse que vous. Yes. Parce que quand une personne voit, c'est-à-dire les sorciers voient une personne courir vite, ça leur fait mal. Il faut qu'on essaye de détruire sa vie. J'ai confirmé le code de Johnson en France. Yes. Je suis venu confirmer le code. J'ai dit, regardez ici, on a une adresse postale, non? Ah, mais comment ça? Viens t'asseoir un peu. Je suis fort de mon perroquet. Il dit, partagez-moi le direct, on a combien de partages? Nous sommes exactement... Je vous montre mon associé. La voilà. Perroquet du Maroc. Perroquet du Maroc. Les femmes battantes. Même quand ça ne va pas, tiennent bon. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, oui. Tranquille. Tous les produits sont là. Les produits de la Gaga. Tranquille. Oui, au Maroc, à Gadi. Soyez les bienvenus. Comment le quartier où on est en train de terminer notre... Parce que dans notre institut de beauté, il y aura la mame. Qu'est-ce qu'on fait? La mame, c'est pour gommer la peau. Le corps, tout le corps. Et après ça...
tu fais un bon massage relaxant. Mm-hmm. Et aussi, on fait les massages amincissants. On fait les pédicules vraiment très, très, très soignées. Ce n'est pas les pédicules 2 pour 5 francs. Hein. Ah bon. Les bons pédicules. Ah bon. Le quartier est situé à Talbosch. Nous sommes à Talbosch. Attendez. Est-ce que vous connaissez le quartier? Est-ce que vous connaissez le quartier? On dit il y a quartier. De la même manière, Lolo Beauté est arrivé à Paris et puis elle allait s'installer dans le 92-400. Yes. Parce que quand tu arrives en France et puis on dit tu habites Courbevoie. Quand tu dis tu habites à Courbevoie, c'est l'un des quartiers les plus huppés. J'arrive encore au Maroc. Vous pensez que je vais aller dans la Kaamelott? Jamais. Ceux qui sont au Maroc, confirmez le code. On confirme. J'ai dit la ville c'est quoi? C'est Agadir. Le quartier c'est quoi? Talbosch. Là nous on loge avenue des Phares, mais le magasin est situé à Talbosch. De toute façon, demain on ira faire le dîner au magasin. Demain, à partir de 11h. Ça va tuer. Midi. Ça va à partir de 14h, c'est bon, il faut qu'on mange. Parce que tu sais que je dois aller au bord de l'eau. Il y a mes dragueurs. Les dragueurs sont dans la place. Hey, il dit, il prend un gars ici au Maroc. Oui, c'est ça qu'il a dit. Il dit, je ne veux plus les Abidjanais, je ne veux plus les Bengis. Bye bye, les Abidjanais. Il dit, il prend ici au Maroc. Candidat approché. Lolo Beauté est célibataire. Venez, ma fille. Lolo Beauté, on dit qu'il y a des vrais gars au Maroc ici. Il y a des vrais businessmen au Maroc ici. Il dit Lolo Beauté n'aime pas la misère. Oh. Il dit voilà Lolo Beauté. Il y a des femmes célibataires. Venez. Aïna, Aïdo. Je vais voir les plus durs du Maroc. Maman, Lolo Beauté va venir nous défier au Maroc. Où sont les plus durs du Maroc? Lolo Beauté va venir vous défier au Maroc et puis partir. Les plus durs, on vous attend. Oh, c'est des plaisanteries. Les durs se trouvent à Bengue. Est-ce qu'il y a un bon gars, maman, au Maroc, si? Oui, est-ce qu'il y a les vrais gars au Maroc, si? Oui, je consomme. Je confirme. Adama. On peut venir mettre notre nom comme Adama. Ça. Adama. Les vrais gars du Maroc. Adama. Où ils sont même? Il y en a pas. Il y a dit Coco a repris ça. Coco a pris ça. Coco le. On n'a pas atteint les 5000 partages. On est à combien de partages, les Lolo Boss? Exactement à 3280 partages. Les Lolo Boss. Vous aussi. Les Lolo Boss. Vous êtes où? Où sont les partages? Où sont les cœurs? Je ne vois pas les cœurs. J'ai demandé le son de la Libya, ça arrive. Ah, vous voulez écouter le son de la Libya? De toute façon, ça n'a pas été un direct vraiment préparé. C'est pas une direct préparée, c'était juste une indirecte. Une introduction pour dire que nous sommes au Maroc. Tranquille. Voilà. Donc les produits. Oh mon bébé, il veut quoi, mon bébé? Babou, hein? Mon bébé veut quoi? Il a dit bonjour. Il a dit il est métisse et mais regardez Lolo à côté de lui. Hey, hey, on est plus blanc qu'un métisse né. J'ai dit oh. Les métisses, vous avez perdu le prix de mon café cacao. Maman, avant les métisses faisaient malin. Depuis que Lolo Beauté voit le Janssen, on est venu dépasser les métisses. Je t'ai dit. On peut être métisse. Maman, on n'a plus besoin de blancs pour être métisse. J'ai dit, on est noir, on grandit clair et on meurt métisse. Chinois. Je dis, toi, ton métis n'est comme moi. Et puis, femme noire est venue te dépasser. Adama. On peut faire ça. Maman, je suis plus clair que lui. Je dis, donc, mon Dieu s'est appris, oh, maman. Mon Dieu s'est appris, hein. Maman, la Michael Jackson à l'état féminin. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est plus que Michael Jackson. On peut faire ça. Voilà un métis. Maman, les métis, ils sont où? J'ai dit, maman, il a voyagé une fois avec une fille métisse. Maman, la fille, elle était un peu noire à côté de moi. Elle me regarde, elle. Mais celle-là, elle est métisse, elle est noire, elle est quoi? J'ai dit, elle me regarde une fois, elle me regarde deux fois. Le Janssen de la gloire. Bon, partagez-moi le direct. Vous savez quelle façon les métisses aiment se prendre. André, elle ne pisse pas, moi, elle ne chie pas. Pourtant, elles sont tout le temps constipées. Tu vois, maman, les filles métisses. J'ai dit, depuis que nous sommes baoulés. Ouais, tu es baoulé. Tu es baoulé. Je dis, mais
Pourquoi vous les baoulez, vous faites ça, mais toi-même la tienne, ça, non? Mais vous les baoulez, mais vraiment votre affaire de métissage là! Affaire de son. Aïe. Mais l'eau, nos beautés va venir vous défier. C'est de ça qu'il s'agit. Gagne la fille métisse, mais regarde une fois. Elle tourne. Genre, elle est trop claire, quoi. Elle me regarde deux fois. Elle tourne. Elle dit, faut pas me voir aussi. Moi aussi, je viens. Il gadaka. Voilà. Elle a écrit en WhatsApp. Hein. Quand on va finir le direct, on va lui dire. Quand les gens t'appellent, les gammes là, il faut noter. Parce que tu sais qu'il y a d'autres qui ont déjà commandé beaucoup. D'accord. Il y a d'autres qui ont commandé déjà beaucoup. Faudrait pas que. Ça manque. Maintenant, l'expédition se passe comment? Non, l'expédition ici, le prix de 1 kilo, l'expédition c'est comment? Ici, l'expédition n'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Non. Donc, c'est mieux. Il faut que vous ayez le prix de l'expédition. Et puis elles vont payer soit par Western Union Moneygram ou soit par virement bancaire. Mmh. Voilà, il y a le RIB de la société, non? Oui. Voilà, elles peuvent payer ça sur le RIB de la société. Et puis ce qui est bon, vous savez ce que je suis venu faire encore au Maroc? Vous qui avez les difficultés d'envoyer, je peux parler de ça un peu, non? Oui, vas-y. Il a dit, attendez, il a expliqué d'abord pour les métis, quoi. Voilà. À 5000 partages, je vous dis comment envoyer de l'argent à Abidjan. Maman, Lolo là! Où elle rentre là? Tout terrain. J'ai dit, je sécurise votre argent, je sécurise votre vie. Faut dire tout. Une business woman. Faut dire tout. J'ai dit.